Voilà. Ah oui, d'accord, on est chez... on est où, là? Alors, attendez, lui... Ça va être le premier ou quoi? Salam! On est où, là? De quoi on est où? Bah, on est où, là? Bah, on est sur Jumeau de Life. D'accord. Et je peux... T'es quoi, là, comme métier? Policier. Et tu peux expliquer pourquoi tu fais du Tokyo Drift en tant que policier avec ta voiture? Bah, je sais pas. Tu sais pas. C'est pas du tout. Enfin, je vais juste voir les warns s'ils sont... Bah, je sais pas, je roule, mais je sais pas, j'ai toujours fait ça. Pas de warn, allez hop. Le premier warn. Je tape des drifts par-ci par-là, mais rien de grave. Hop, c'est pas passé par-là, c'est tout le temps. Du coup, je te prends une conduite non RP, et la prochaine fois, ce sera un ban, ok? Mais policier, pourquoi le VC1, il marche pas? De quoi? Le VC1, il marche pas pour les sirènes. Les sirènes, on peut pas les allumer. Ouais, je sais, j'ai vu, ça va être modifié. Allez, tu repars à pied, c'est la punition. Bonne journée. Salam. Salam. T'as fait un ticket, Greg, pour Free Kill. C'est avec mon collègue Alex Alsifi, là. Ouais. T'es en train d'essayer de faire fonctionner les machines Bitcoin. Les Bitcoin, ouais. Il y a un mec qui est rentré, il a défoncé toutes les portes, tu nous as bu. Ok, je vais regarder c'est qui. Alors, j'ai un problème avec toi. T'as tué, t'es rentré dans sa maison, ouais. Et t'as défoncé toutes les portes et tu l'as tué sans aucune sommation, sans aucune raison. Ben déjà, j'étais braqueur, je voulais braquer leur maison pour me faire de la thune. Puis je me fais directement tirer dessus, tu peux même le voir dans les logs, c'est pas moi qui ai ouvert le feu en premier. Puis ben je me suis juste défendu parce que eux ils m'ont pas fait de sommation en me tirant dessus, hein. Tu peux voir, j'ai perdu toute ma vie, puis en plus... T'étais chez nous? Mais t'étais chez eux, hein. Mais oui, je l'ai braqué votre maison. Mais oui, je l'ai braqué leur maison. Je comprends bien, t'as défoncé toutes les portes, on était dans la pièce la plus profonde de la maison. T'es rentré, t'as défoncé toutes les portes, et t'as tiré avec ton gosse ou je sais pas quoi. Et moi tu m'as tué, t'as tué mon collègue. Par contre, braqueur, c'est braquer des banques, c'est pas braquer une maison en fait. Ben, moi j'ai déjà fait ça comme RP sur un autre. Sur Jumeau de Life 1. Puis on m'a dit que c'est les mêmes règles que sur Jumeau de Life 1. J'ai demandé à un modérateur test qui m'a dit que c'était les mêmes règles. Mais un modérateur test, déjà de 1, de 2, j'ai déjà expliqué 20 000 fois que c'était pas du tout les mêmes règles. Donc là, tu me baragouines un peu de la merde, là, j'ai l'impression. Mais c'est l'autre de la dernière fois. On m'a dit que c'est les mêmes règles, puis dans l'autre serre, je l'ai C'est l'autre de la dernière fois. Non, il m'a dit. C'est l'autre de la dernière fois qui savait pas ce que c'était un NLR. Bon, toi t'étais le mec de la dernière fois qui savait même pas ce que c'était un NLR. Je me rappelle de toi, je t'avais mis un warn. Et tu m'avais dit que je te bannissais pas parce que justement t'avais déjà pris tes deux warns. Mais je regarde plein de tes vidéos, je serais pas sûr. Ouais, mais je m'en fous que tu regardes toutes mes vidéos, c'est pas une question. Non mais je sais c'est quoi de la NLR, c'est quand on se souvient de l'effet vécu avant notre mort. La dernière fois, je l'ai warn parce qu'il savait pas ce que c'était un NLR et j'avais pété un câble parce que j'avais vu qu'il était modo-test. Et en fait, on m'avait dit il est modo-test parce qu'il n'y a pas d'autres Québécois la nuit, tu vois. Mais lui, vraiment, faut me l'enlever des modo-test, les gars. À chaque fois que je l'ai antiqué, il fait de la merde. À chaque fois, gros. Genre, la dernière fois, j'en avais parlé avec un autre modérateur qui est Québécois et qui disait ouais, il est là parce qu'il n'y a pas d'autres Québécois. Mais c'est bon, mon frère. Genre, ça fait plusieurs fois que je le reprends, ça me saoule en fait, tu vois. Ouais, c'est un modo test, ça me gaze le mec. Mais c'est parce qu'en fait, tu vois, on a pas de modo la nuit, tu vois. Et on veut que le serveur il tourne quand même la nuit. Donc du coup, on a pris des modos, tu vois. Mais sauf que bah là, c'est un peu mal passé. Quoi. Bon, sinon ça va, c'est relativement calme, j'ai l'impression. Écoutez, ça vaut quoi, ouais. Allez hop, tu poses la voiture, la prochaine fois que je te vois avec une voiture et que tu conduis comme ça, ça sera un ban. Donc alors, tu montes dans la voiture de ton collègue et t'évites de conduire, ok? Mais j'ai des problèmes de yeux. Bah si t'as des problèmes de yeux, tu conduis pas, tu montes avec ton collègue. Et Bouvard, c'est simple mec, t'as des poubelles dehors et tout, et tu les mets là-dedans et ensuite tu reviens avec ton camion. Avec mon camion? Moi j'ai acheté ces trucs, je pensais que c'était utile. Ouais mais les mets là dehors, pas à l'intérieur mec, tu vois bien que c'est pas fait pour être dedans. Il les a mis dans la maison. Je te jure, j'ai jamais vu un des boueurs travailler dans une maison. Imagine les boueurs, frère. Il ramène les poubelles chez lui. Boueur en télétravail. Le mec, il reçoit les poubelles chez lui. Diabo Shawa. C'est Kylian, hop, il est suprême. Hop. Salut. T'as tué ce mec là, je voulais juste savoir pourquoi tu l'avais tué, il s'est plaint de free kill. Ah oui, bonjour. T'as tué cette personne et il se plaint de free kill. Bah en fait, genre j'étais en train de faire des printers sur une île, ouais. Là je vois deux personnes en bas côte, du coup je les braque, je dis descendez et tout. Ouais. Ils descendent, à ce moment là, l'autre
je crois il a déco, je sais pas. Du coup lui je le braque, je lui dis tu sais quoi, donne-moi tes thunes, il me donne 145 parce que c'est le début, ça va, du coup il a pas d'argent. Du coup il me donne ses thunes, là je monte sur le bateau. Là je vais dans le bateau comme ça, là je monte dans le bateau. Sur le bateau il a dit ok tu descends sinon tu prends une balle dans le crâne, du coup je descends et je rafale. Parce que j'avais l'arme sur moi encore et je l'avais pas rangée. En fait, c'est vrai, mais je lui ai fait première sommation, tu descends. J'allais faire ma deuxième sommation, elle est sortie instant et il a pas fait de sommation, il m'a tué instant. Ok, mais toi, t'avais pas ton arme braquée sur lui. C'est lui qui avait son arme braquée sur toi à ce moment-là, du coup. Même si t'avais ton arme dans les mains. Ah, mais quand je sors, moi, je tombais dans l'eau, du coup, j'avais le temps dans tous les cas de la sortir. Non, justement, alors déjà, de 1, tu peux pas tirer si t'es dans l'eau. D'accord, dans le point de vue RP, on n'est pas sur Gmod Life 1, là c'est un peu plus RP, d'accord. Et de 2, si t'es braqué par une arme, t'as pas, même si t'as ton arme dans les mains, t'es pas censé pointer ton arme et le tuer, tu dois jouer ton fire. Okay. Non mais même dans l'eau j'ai essayé, on peut pas tirer, mais j'étais genre à la surface, mais ils me voyaient pas. Ouais mais t'as pas à tirer quand même si t'es dans l'eau, parce que t'as deux mains, tu fais comment pour nager si tu tiens ton arme à deux mains? Bah avec les pieds. Avec les pieds. Avec mes pieds. Mais non, mais Kylian, un petit effort, s'il te plaît. Kylian Ashley, Mafieux tire sans sommation le 25 mars, 9 avril, 14 avril. Kylian, tu vas prendre la même sanction que les autres, hein. Je suis désolé, je peux pas faire de favoritisme parce que oui, t'es suprême. Hein. Bon, moi, je passerai sur ta vidéo. Moi, tu passeras sur ma vidéo. J'espère que oui, en plus, tu seras le premier. Tu sais que tu seras le premier ban sur le nouveau serveur, mec. Allez, bah, c'est pas bien, mais allez quand même. C'est pas bien. Allez, voilà. En fait, il y a des gens qui se sont plaints comme quoi le serveur était trop pay to win, ok. Donc maintenant, il y a des caisses à avoir sur le serveur que vous pouvez avoir gratos. Donc vous pouvez vous acheter les caisses sur la boutique, mais les caisses, vous les achetez pas avec de l'argent réel. Enfin, vous pouvez l'acheter avec de l'argent réel, ok. Mais vous l'achetez surtout avec des jetons. En fait, ils vous ont drop sur le jeu en faisant des actions, des trucs et tout. Et du coup, ça vous récompense avec des jetons. Et c'est avec ces jetons-là, vous pouvez ouvrir les caisses. Donc je le répète encore une fois, ces caisses gratuites, ok. Vous pouvez les avoir gratos en jouant juste sur le serveur. Ça nique tous les gens qui vont dire c'est un pay to win. Ok, je le répète encore une fois, vous pouvez avoir toutes les armes dans les caisses gratuitement, même le maréchal, ok, avec juste des jetons que vous avez en jeu. Genre là par exemple, en jouant, regardez, j'ai 974 jetons au-dessus, là, bah, vous voyez pas parce qu'il y a mon truc, mais j'ai 974 jetons. Donc en jouant juste au serveur, en ayant des jetons, vous allez acheter des caisses dans la boutique gratos, et vous pourrez les ouvrir et vous pourrez avoir des armes qui sont des armes que vous pouvez avoir payantes. Ok, donc là on va tester. Donc du coup voilà, quand vous aurez des jetons, d'accord, et si vous avez des jetons et que vous n'avez pas d'argent, bah, pour acheter des jetons, ok, enfin des caisses, pas besoin, ok, plus besoin maintenant. Vous pourrez plus dire ah ouais mais lui il a un maréchal, c'est abusé, il a payé, du coup il a un maréchal. Bah toi aussi si tu payes pas, tu peux avoir un maréchal, mon gars. T'as juste à jouer au jeu, ok. Donc tu joues au jeu, t'as des jetons, paf, avec les jetons t'achètes des caisses. Genre tu vois, caisse sniper 100% one shot, c'est à dire que toute cette caisse t'as forcément un truc avec qui 100% one shot, ok. Donc là par exemple, je vais acheter une caisse, je vais acheter une caisse pompe, je vais acheter une caisse cosmétique et je vais acheter une caisse rubis. Et regardez comme elles sont belles les caisses, hein, quand même. On peut avoir en légendaire, mythique, épique, rare ou notable. Mais quoi qu'il arrive, ça peut one shot, ok. Donc on a 21% de chance d'avoir de l'épique, 5% de chance d'avoir du mythique et moins d'1% de chance d'avoir du légendaire. Donc on va l'ouvrir. Allez, allez, régale-moi mon frère. Non, une dragon lore. Oh non, pas de longbow. Non. Mais voyez, j'ai pas de chance. Vous voyez, je n'ai pas de chance. On va ouvrir le pompe. Le pompe, on peut avoir le légendaire ou on peut avoir le M3 Dragon, le Magnum Drill God, le Rail Canon, le Shock Armor, épique, etc. Et c'est les mêmes taux de drop. On en ouvre une. Allez, s'il te plaît, un truc bien, s'il vous plaît. Mais non, mais arrêtez de me donner des trucs nuls. Bon, en vrai, imaginons, j'ai 1700 jetons, je les ai claqués là-dedans, je suis content. La caisse rubis, du coup, on peut avoir des légendaires, on peut avoir le mastodonte, donc c'est vous avez 500 en bonus de heal. On peut avoir le thunderbolt, on peut avoir le quadra barrel, de la monnaie, énormément de monnaie. Des snipers rubis, on peut avoir de la monnaie encore une fois, donc on va voir ce qu'on va avoir. Allez, allez, reste sur le thunderbolt. Bon, ça va, c'est épique. Gangsta et Deagle. Attendez, imaginons, moi je veux donner ça à un mec. Ah ouais, tu peux. Bah ouais, tu peux, mec. Allez, j'offre. Eh, j'offre mon arme à un mec. Un des mecs les plus démunis là. Regardez, lui, ça se voit, il est au bord du suicide qui a des mazolt. Je vais lui filer ça, ouais. Et
C'est bon là non? Félicitations. Voilà. J'espère qu'il est gagné, il est content. Je vais lui faire péter un câble, vous allez voir. Putain, merde. Y'a quelqu'un ou quoi? C'est pas possible, le bouton il appuie tout seul. Non mais, c'est pas possible. Mais, y'a quelqu'un, mais non mais. Non mais. Bon allez, j'arrête. Bon jeu. Ah, merci. Putain, t'as gamin, merdeuse. Oula. L'œuf qui s'arrête là. Ah non mais lui. Ok. Tu sors. Ah, tu vas où, tu vas. Descends. Non c'est bon, c'est. Mets-toi pour que les vraiment. Non, pas de voilà. Non, c'est hallucinant. C'est à moi. Non mais. Oh merde. Attends. Ça s'est mal passé là. J'arrive. Il y a un petit problème là. Lui il a pris la foutre. Allô. Ouais. Oui, je t'entends. Allô. Ouais. Du coup, tu peux m'expliquer c'était quoi ce no fear et ce no RP de ta part? No fear, bah, je suis descendu du véhicule. Quand ils m'ont pointé. Non. Voilà. Non, t'as forcé, t'es rentré dans un mur, non, t'étais bloqué entre un poteau et une voiture et t'as essayé quand même de partir. Et ensuite t'es descendu des véhicules, t'étais pointé par des armes et t'es monté dans le véhicule de police pour le voler. Oui. Donc du coup je vais regarder vite fait tes warns et si ça me convient pas ce serait un ban. Voleur, no fear RP, le 21-4, bon, ça c'est un ban, allez hop. Du coup je vais te mettre un ban de 120 minutes. Parce que là c'est deux actions no RP en même temps, okay. Et t'as déjà un bon warn pour des trucs à peu près similaires. Pire, plus, vol, véhicule, police. Voilà, allez hop. Ouais il a pris un warn aujourd'hui, c'est pour ça il prend un ban là.